Conseil arcturien. Évitez les prédictions d'événements futurs cataclysmiques. Nous sommes très heureux de vous rappeler à tous le chemin parcouru au cours de votre voyage. Nous savons que vous avez tous énormément évolué au cours de votre vie et nous voulons vous assurer que tout le monde sur Terre est en train de faire évoluer sa conscience. Il peut sembler qu'il n'y a pas d'espoir pour certains membres de votre famille, certains segments de la population, etc. Mais en réalité, vous êtes là pour donner cet espoir à ceux qui dorment et à ceux qui semblent vouloir rester endormis. Vous fournissez la formule, vous fournissez le modèle, vous êtes les montreurs de chemin et vous êtes là pour montrer aux autres comment faire. C'est pourquoi nous voulons que vous vous souveniez tous que même si vous n'écrivez jamais de livre et que personne d'endormi ne lit jamais votre livre, vous avez toujours un impact sur la conscience collective grâce à ce que vous avez pu faire et à la façon dont vous avez pu évoluer au cours de cette vie. Cela dit, beaucoup d'entre vous ont un livre en eux, beaucoup d'entre vous ont des histoires à partager et nous voulons vous rappeler que vous n'avez pas besoin d'attendre que quelqu'un vous invite à partager cette histoire pour le faire. Il y a beaucoup de prédictions qui circulent dans le Nouvel Âge et qui sont remplies d'événements cataclysmiques. Et beaucoup d'entre vous qui sont éveillés pensent que ces prédictions sont logiques parce qu'une grande partie de la population est endormie. Cependant, vous pouvez aider tout le monde à s'éveiller sur la Terre en leur laissant de l'espace pour le faire. Lorsque vous reconnaissez le chemin que vous avez déjà parcouru, vous montrez également votre foi en ceux qui vous entourent et qui ne sont pas encore éveillés, parce qu'ils peuvent avancer aussi vite, sinon plus vite que vous. Vous avez préparé le terrain pour eux et vous partagez vos histoires. Vous vous ouvrez en dépit du fait que vous ne savez pas comment vous allez être reçu. Il est temps pour vous tous de reconnaître que, quel que soit l'état du monde aujourd'hui, de votre point de vue, les expériences de croissance qui sont accessibles à tous en raison de l'état du monde sont ce que vous êtes vraiment venu expérimenter. Vous n'êtes pas venu pour tout faire correctement et parfaitement du premier coup. Vous êtes venu de nombreuses fois, pour certains d'entre vous, des centaines de fois, pour arriver à l'endroit où vous en êtes maintenant. Et si vous pouvez voir le chemin de l'ascension pour toute l'humanité, alors vous savez que cette ligne temporelle est disponible pour vous et pour tous les autres. Et vous n'avez pas à vous inquiéter des prédictions qui existent et qui vous disent ce dont l'humanité a vraiment besoin pour se réveiller et redresser le navire, pour ainsi dire. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de croire en l'humanité, et cela commence par le fait que vous croyez en vous-même, parce que vous êtes un représentant de l'humanité, et qu'elle est un reflet pour vous. Et si vous pouvez vous voir atteindre le niveau suivant, vous aiderez vos semblables à faire de même. Il est important que vous reconnaissiez à quel point vous êtes puissant et que vous occupiez puissamment l'espace pour toute l'humanité afin que vous puissiez avoir l'ascension de la joie, de la paix et de l'amour que vous désirez tous. Nous sommes le Conseil des Arcturiens et nous avons apprécié de nous connecter avec vous. Merci de partager au plus grand nombre.